Julien Deschamps, je suis le gérant de la société Fourrage de Vienne et Luzerne du Poitou, donc société qu'on a créée en 2011 suite à la reprise d'un fonds de commerce de Monsieur Delaveau, qui faisait essentiellement du négoce de paille, environ 40 000 tonnes par an. En 2017, pour avoir une activité un peu plus stable, car les aléas de la paille faisaient que certaines années nous pouvions vendre ou moins vendre, on a décidé de créer une usine de transformation pour assurer la vente des deux tiers, voire des trois quarts de notre production, de notre récolte. Donc cette société s'appelle T2P, nous faisons des petits ballots de paille que l'on dépoussière, que l'on crible et que l'on ensache. Et ça pour l'alimentation des veaux de boucherie. C'est un marché national, voire international, où on livre aussi sur l'Italie, la Belgique. Toute cette poussière que l'on enlève est mise sous forme de granulés qui sert aussi pour la litière, donc il y a zéro perte dans notre process. Depuis 2021, on a ajouté à cette activité une activité négoce Luzerne, suite à la reprise du fonds de commerce d'un collègue qui vendait sa Luzerne sous la marque Luzerne du Poitou. Donc on commercialise environ 15 000 tonnes par an sous différentes formes, bottes, séchoirs à basse température, granulés et petites bottes, enfin différentes formes de produits. Bonjour, Marceau Renaud, 21 ans, je viens de Parthenay, je suis actuellement en licence agronomie à l'ESA d'Angers et responsable approvisionnement chez Luzerne du Poitou. Donc moi je m'occupe de la partie suivi et réalisation de contrats. On peut réaliser des contrats de 1 à 3 ans en fonction de la luzerne et des contrats d'un an sur les luzernes porte-graines pour la première coupe. Étant donné qu'on est agréé pour déshydrater la luzerne, chaque agriculteur qui produit notre luzerne touche une prime d'environ 104 euros en plus. Pour ce qui est du suivi, on peut s'occuper de tout de A à Z, donc en passant par le semis, le suivi phytopharmaceutique et la fertilisation. Et on s'occupe à 100% de la récolte, donc avec une fauche avec des conditionneurs à rouleaux, un fanage lent et en andain afin de garder une luzerne bien verte, des endaînages avec des endaîneurs à tapis pour limiter l'effeuillement et un pressage aux alentours de 25% d'humidité afin de garder une luzerne bien verte avec toutes ses feuilles. Et on s'occupe aussi du transport et du séchage. Bonjour, je m'appelle Chloé Moine, je suis depuis 2018 dans l'entreprise Fourrage de Vienne. Donc j'ai commencé sur la partie achat de paille. Aujourd'hui, je m'occupe de la partie commercialisation de paille et luzerne. Donc depuis la reprise de l'activité Luzerne du Poitou en 2021, nous avons développé plusieurs produits. Donc une grosse partie de la production de luzerne est commercialisée en bottes séchées à basse température, donc déshydratées. Et nous avons un nouveau débouché qui s'est présenté à nous pour les granulés de luzerne. Ces granulés sont commercialisés principalement aux fabricants d'aliments. L'ensemble de notre produit est récolté dans un rayon de 50 km autour de notre entreprise. L'ensemble de la luzerne est implanté dans la Vienne, ce qui nous permet de répondre au cahier des charges des fabricants d'aliments et nous garantit également un produit made in Poitou. Nous proposons également de la paille de blé, qu'elle soit longue, hachée, broyée et même conditionnée en bottes de moyenne densité, donc 25 kg en moyenne. Et nous proposons également de la paille longue en orge, colza et même lin. Pour la partie luzerne, nous avons plusieurs produits de proposer. Donc on a une gamme Energiluze. Donc Energiluze, ce sont des granulés de luzerne déshydratés dont la valeur en protéines varie selon la demande. On propose des granulés donc avec une protéine brute de 14, 16 ou même 18%. Concernant la luzerne séchée à basse température en botte, nous avons 5 produits disponibles en conventionnel et 2 produits en biologique. Donc les formats de ces bottes de luzerne déshydratées à basse température sont des 120-90 par 2,40 m de long, mais on a également de la botte de 30 kg à l'unité ou groupée en paquets de 14. Donc pour les différents produits, nous avons la gamme Desiluze avec une teneur en protéines de 16%. Elle correspond à principalement une première coupe. Nous avons par la suite notre Desiluze Plus avec une teneur protéine de 18%. Nous sommes sur une première ou seconde coupe. Nous avons également le Capriluze ou l'Equiluze, ce qui est équivalent, avec une teneur en protéines de 18%. Nous sommes sur une deuxième ou troisième coupe, tige fine, idéale pour ovins, caprins, chevaux. Et pour finir, nous proposons donc notre Capriluze Plus. Ce produit correspond à une troisième ou quatrième coupe avec une teneur en protéines de 20%. Thank you.
Toute notre luzerne passe par nos séchoirs. Ce sont des séchoirs basse température qui vont sécher la luzerne pendant 24 heures à environ 40 degrés. Au bout de 12 heures, chaque botte est retournée afin d'obtenir un séchage régulier. Au bout des 24 heures, on marque chaque botte d'un point de couleur afin de s'assurer qu'elles sont bien sèches. Ce procédé permet une conservation optimale de la luzerne. Et par la suite, celle-ci va être stockée en bâtiment afin qu'elle ne prenne pas l'humidité avant d'être relivrée chez nos clients tout au long de l'année.